Bonjour, moi c'est Ramato, je suis coach du projet Procoton implémenté par GIZ et Bridge Africa qui sert à promouvoir les artisans qui font dans le textile, c'est-à-dire le coton, la couture à main, la broderie et autres. C'est donc justement pour vous faire part de ce projet. En fait, dans un premier temps, on va passer par l'enregistrement. Pas l'enregistrement, je vais vous enregistrer, mais enregistrement. On m'a écouté à site webman, non utilisateur. Et pour cela, j'aurais besoin de quelques informations. Ma date de naissance, ma adresse, ma logo, ma jaloua. Je fais la broderie là. Tu es spécialisé pour les hommes, enfants ou pour femmes. Donc c'est un peu de ça que j'aurais besoin. Pour ça, je vais te montrer comment ouvrir ton site web, comment utiliser plus tard. Il y a c'est pas créer un site Mado. Là, comme le Wadam. Anastanam, déjà à tape navigateur, ma peut-être Google Chrome, à tape pas lien, mais BridgeAfrica.com. Toi, ma petite, déjà Anastanam page d'accueil, alors une page d'accueil bani, bah an. Sous langue de l'eau, ko français, ko anglais, ananidou, tu as subido, à ta part, tu as subido, 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 adresse email, ma téléphone, ma et autre. J'ai une photo, mais il y a ça. C'est comme ça que ça s'écrit, non? Il y a ça. C'est le pronom qui est Hamman, non? Voilà, c'est tout. Voilà, il y a ça, Hamman. 8693. 68, 83. D'accord. Pour le moment, on va te donner un mot de passe opérationnel, c'est-à-dire pour que tu ne te perdes pas, parce que c'est un début, toi. Genre, je vais te mettre de 1 à 8. Tu vois un peu, après, tu vas vouloir. Si tu, après, quand je vais te montrer tout, tu vas pouvoir changer si tu le veux. D'accord. Un mot de passe, madame. J'ai ma petite compte, ma maïdou. Comme c'est opérationnel, le but est édité. J'ai une unité de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu vois. Ainsi de suite pour confirmer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. S'inscrire. Alors, j'ai ici, je peux t'envoyer la vérification de tout ça par email comme par SMS, non, mais moi je choisis plutôt SMS, c'est-à-dire tu vas recevoir là un message de confirmation et du coup tu vas me, voilà, je crois que le message est bon, c'est là, tu vas me communiquer le code qu'on t'a envoyé. Et on c'est le 95 37 37 18 18 95 37 18 oui. D'accord. Voilà, là on me demande de l'accéder et tout. Maintenant, comme toi tu fais dans la couture, on va choisir plutôt le pont entreprise. Voilà, là c'est compléter le profil, c'est-à-dire ajouter ta photo de profil, et c'est là que je vais avoir tes informations, besoin de tes informations comme la date de naissance et autres. Au fur et à mesure, on va descendre, je vais te montrer. La date de naissance, genre, c'est en quelle année, et quel mois et quelle date. Voilà. Voilà, mais. 6e mois. Oui, 6e mois. 95. Genre, on va mettre homme, comme tu es un homme. Le pays, je pense que c'est ici, le Cameroun. La région, je pense que c'est le centre. Nous sommes au centre ici. Et la ville, c'est Yaoundé. Nous sommes ici à Yaoundé. Et il y a une petite étape numéro 2.
déjà business identité, ma double identité de business. C'est-à-dire, je vais avoir besoin de la photo de ton logo. C'est-à-dire, en fait, je vois sa photo, produit, voilà, pour également. Là, un instant, et moi, ça m'a verbe. Oui. Et choisi, et chaque niveau, on va te demander une taille précise, c'est-à-dire la taille de la photo que tu vas vouloir contracter comme tu veux. Déjà, in the business, il faut peut-être avoir ta. Quoi faut-il avoir ta. Ben, in the business, man, il y a sa broderie pour vous. Déjà, il y a les idées comme il y a sa broderie, il y a sa design, il y a sa fashion. Donc, c'est à toi de voir ce que tu peux mettre. Les catégories, peut-être, de tout ce que tu fais dans les habits et les accessoires, et vous, ça, clothing et accessories. Et maintenant, puisque tu fais catégorie des femmes, l'habit des femmes, on va prendre habit de femmes et on va encore ajouter habit des hommes comme tu fais. Mmh. On va donc choisir ce que tu fais dans les robes, les habillements de mariage, c'est ça je crois, parce que les gars aussi, ça accepte les mariages, je suppose. Bon. Pour la carrière, je vois le carrière, je vais vous démarrer ce matin. D'accord. Je vais vous faire ça. Maintenant, country Cameroun, rejoins le sand. On peut mettre un truc comme hashtag broderie Cameroun. Si tu es ici à Cameroun, peut-être la langue que tu parles, c'est le français, je suppose. Et là, prendre le repère, taper et on descend. Voilà. Après, on passe à l'étape suivante. Là, ça c'est follow business, c'est-à-dire ceux qui font peut-être dans plusieurs domaines et tu pourrais les suivre. Si tu veux, tu suis une communauté, si tu veux, tu ne suis pas. Par exemple, tu pourrais peut-être cliquer ici là. Par exemple, si ça te change de bien les suivre, là tu vas voir la publication, puis après, et si tu ne veux pas, là, autre chose, on pourrait passer vers next. Ici aussi, ce sont les gens qui font dans le business, c'est-à-dire, ils sont là, si ça ne t'enchante pas de liker, donc déjà de les suivre, on peut passer à next. Et ici, ce sont les vidéos tutoriels, c'est-à-dire comment utiliser le web, comment de quoi parle le site, tu vois un peu. Déjà, ce que tu te sens, ce qui te semble un peu difficile, pour un peu à travers les vidéos, ça pourrait un peu te faciliter la tâche. Voilà. Je crois qu'on a fini de créer ton compte profil et ton compte business. Là, je vais te montrer comment faire tes publications et puis ça c'est la première de page, c'est-à-dire la page de couverture de ton compte business qui s'affiche là. Là tu vas voir la photo de couverture, c'est-à-dire qu'on va changer, puisque ça sont pas tes, ce n'est pas ton domaine. C'est-à-dire on va entrer dans la galerie et pour changer, tu vas cliquer juste les trois petits points que tu vois ici en bas. Tu vas toucher ici à couverture. D'habitude, quand c'est en français, ça écrit changer la couverture. Et c'est là, on va entrer comme ça en anglais, add cover, entrer dans photo tag. On va choisir peut-être ceux d'Andorra qui est du toit. Et on va mettre. Et pour mettre, on sélectionne. Tu vois, c'est là, c'est conscient, ça a dû sortir. C'est comment on a validé la photo. On met ici. Ok. Et il y aura toujours. Après, il y a la taille qui va s'afficher, la taille du ton fichier. Parce que chaque photo a une taille. Là, on a déjà validé la première photo. Tu vois, seulement ça fait photo. Elle a été c'est validé. C'est-à-dire, on va encore entrer ainsi de suite jusqu'à trois fois. Que ça puisse valider. On va peut-être prendre encore ceci. Et pour changer la taille, c'est juste là. Choisir petite, moyenne, grande, taille réelle. Donc, voilà. Deuxième photo. Pour valider. Et pour la troisième photo, on va prendre. Non, on va prendre cette photo. Allez, tu vois. Et tu vois que c'est fait. Tu vois comment ça défile là, juste à l'écran. Genre, tu vas voir comment on a pris nous, pour le moment un nombre de 3 caractères. Tu vois, mais ça peut prendre à 15 caractères, c'est-à-dire 15 photos. C'est-à-dire, ça défile là, ça défile.
Là, ça défile toujours un peu, ça défile toujours même chacun. Ça, c'est pour faire la publicité de tes produits. D'accord. Sinon, on va un peu entrer à intro. Tu vas nous redonner ton numéro. Là, c'est pour servir, donc c'est pour mieux faciliter la tâche à tes acheteurs, tu vois un peu. Ils vont vouloir te contacter. Voilà. Ton nom, c'est le 6. 93 63 63 83. Ok. Yaoundé. Ok. Que tu fais dans les accessoires et tout, on va choisir le jean et tout, puisque tu fais un peu les bonnets de partout, tout genre de choses, pantalons. Donc là, on va modifier, on va passer à la modification. Et tu pourrais modifier après, hein. Peut-être tu pourrais aussi modifier. C'est juste ici là. Tu vois l'onglet qui est ici là. Tu peux modifier. Et tu vois, c'est que ça modifie ici. Avant, il n'y avait pas le numéro de téléphone. Maintenant, tu vois qu'il y a bien et bien le numéro de téléphone. Voilà et tout. On va un peu descendre encore plus bas. Plus bas. Là, c'est pour faire tes simples publications. Genre, pour faire un peu la publicité, quoi. Genre, tu mets, tu touches ici là. Juste le bouton qui est ici, pause. C'est-à-dire, si c'était en français, ça devait mettre. Publication. Tu vois, on va attendre parce que c'est parce qu'il mange. Voilà, il peut faire un post. Tu vois, entrer jusque là dans tes photos. Peut-être. Déjà, tu vois, entrer ici. Tu vas sélectionner ton article, peut-être sur le mois. Et tu vas choisir une taille comme je te le dis toujours. Tu choisis la taille. Peut-être tu peux ajouter. Peut-être. Qu'est-ce que tu peux dire? Je suis Gandoura, peut-être je Gandoura ou un truc comme ça. Je sais pas, peut-être tu vas donner un nom à ce Gandoura. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la description pour publier quoi? Voilà, tu as vu comment ta publication a été bien faite. Et genre, tu as vu comment tu as du nouveau modèle, non? Genre, dès qu'on entre dans ta page, on pourrait y avoir. Et ainsi de suite. Add produit. En français, c'est ajouter un produit. C'est-à-dire, on va choisir une image. Peut-être sur l'Andorra. Et on va choisir une taille. C'est-à-dire, la petite taille. Parfois, c'est range. Et genre, à ce Gandoura, donc, qu'est-ce que tu as, quel nom as-tu donné à ce Gandoura ça, la broderie en fait? K.O. C'est Aska. Espace. Non, la T.A. K.O.S. K.O.S. Voilà. D'accord, Aska. Tacos. Genre, on va décrire le produit. Genre, c'est un Gandoura. Plus vite, c'est un Gandoura de Aska, voilà, de Aska Tacos. De Aska Tacos. Genre, on peut dire brodé à l'aide de décor. Comment vous appelez un peu votre fil et tout ça? Non, on était des fils et tout ça. Et maintenant, genre, ce Gandoura, comme ça, la confection, tu peux le vendre à combien? Mmh. 160 000. D'accord, je vois. On va mettre 160 000. Voilà, puisque la condition du Gandoura c'est encore neuf, non? Là, tu vas mettre la condition. Si c'est deuxième, tu peux mettre deuxième main. Parce que tu peux vendre les choses premier main comme deuxième main. Et genre, je suppose que ce Gandoura est en stock et en public. Genre, parce que tu en as et tu vois encore. Voilà. La taxe, c'est de plus en moins souvent zéro. Le kilogramme d'un Gandoura, ça peut vous perdre un kilo, je crois. Un kilo. Voilà. Ici, catégorie, on va te demander catégorie, puisque ça fait partie des habits. On va choisir clothing et accessoire. Voilà. Maintenant, donc, sous catégorie, c'est un habit d'homme, non? En bas, c'est trois pièces, non? Du Gandoura, voilà. Après, on ajoute ceci comme publier. Déjà, quand tu as fini, tu as vu. Opération réussie. Genre, on a réussi la publication
tu vois que quelqu'un est là dans ton marché, tu peux voir. Donc Aska Tacos, j'ai droit de Aska Tacos brodé à l'aide du fil original de MC à un prix valable de 160 000 francs CFA. Comment enregistrer ton business? Voilà. Pour enregistrer votre entreprise, vous ne pouvez pas simplement crier « J'ai créé une entreprise !» Si seulement c'était aussi simple. L'enregistrement de votre entreprise n'est pas admis. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans l'obscurité. Dans la vidéo précédente qu'on a fini de voir, c'est pour montrer comment enregistrer ton entreprise. Et comme nous avons vu, il y a deux moyens de faire enregistrer son entreprise. Premièrement, à la mairie, c'est-à-dire c'est gratuit. Et tu auras seulement besoin de deux documents, c'est-à-dire la photocopie de ta CNI et le plan de localisation. Et la deuxième option, c'est au centre de formalité de création des entreprises. Carte nationale. Voilà. Puis non, ça c'est pour la mairie. Tu auras besoin juste de la carte CNI et du plan de localisation et c'est gratuit. Et moi je te recommande plus la mairie. Deuxième vidéo. Non. Making money online. Donc, déjà, comment se faire de l'argent en ligne. À ce stade, nous allons amener votre entreprise dans un endroit très spécial. Madame, c'est-à-dire ici, pour se faire de l'argent en ligne, tu as d'abord besoin d'un site web. Et quand tu as ton site web, proprement dit, genre, il va falloir que tu publies des articles, tu vends un peu tes produits. Et il va bien falloir que les images soient fluides, c'est-à-dire claires, pas trop dangereuses, bien fluides quand même, tu vois. Il va déjà développer les produits compétitifs, c'est-à-dire il va falloir bien que tu saches que tu n'es pas le seul brodeur sur le site, il y en a des tas de brodeurs. Et genre, tu vois, il va falloir que tu te démarques par tes produits, la qualité de tes produits, tout ça. Et parfois, il va falloir bien que tu guettes un coup d'œil sur le voisin, comme on le dit toujours là, pour mieux t'inspirer. Voilà, développer les liens du marché. Rosa Eyenchen disait, j'ai appris très jeune que l'on n'est jamais seul si l'on peut se connecter. Voilà, la vidéo, ça te montre comment développer tes liens de marché et tes relations en tant qu'artisan et entrepreneur. C'est-à-dire pour développer tes liens de marché et l'artisan, il va bien falloir que tu prennes part souvent au foire, c'est-à-dire des foires d'exposition. Et là, tu peux échanger ta carte de visite et avec les autres artisans, genre, exposant quoi. J'aimerais un peu avoir ton avis genre, vis-à-vis de tout ça quand même. Parce que c'est nouveau pour toi, c'est pas quand même. Ah, c'est quand même très bon, moi rien à dire. Ici, c'est un formulaire d'évaluation, c'est-à-dire ça va vous servir à mieux nous évaluer, c'est-à-dire on va vous poser les questions pour qu'on puisse savoir à quoi s'attendre, quoi faire et quoi modifier en quelque sorte pour nos prochaines formations. Intégration dans le e-commerce. Avez-vous un site web à part celui qu'on vient de vous créer aujourd'hui? Non. D'accord. Non. Alors, avez-vous d'autres moyens de vendre en ligne? Non. D'accord. Avez-vous déjà vendu en ligne? Votre site web nouvellement créé sur britafrica.com peut-il vous aider à développer votre entreprise? Là, votre site web qu'on vient de créer, ça peut vous aider à développer votre entreprise? Je crois, hein? Voilà, donc on va mettre oui. Voilà, non, c'est monsieur Iliasa. J'ai amélioré mes connaissances. Bah, Vigo. Que j'ai pas de moi, dis donc. Améliorer mes connaissances, ma femme, ma nakobo. Mais si tu es d'accord, c'est cela tout à fait d'accord. Si tu es d'accord, on peut mettre d'accord. Si tu es neutre, c'est-à-dire, je ne sais pas trop où te mettre. Tu es en désaccord ou en accord et tout. Et cela, il y a aussi le plan des accords. Il y a aussi pas du tout d'accord. Donc là, ça dépend de toi. J'ai amélioré mes connaissances et mes compétences. Tu es tout à fait d'accord.
d'accord, neutre, en désaccord ou pas du tout d'accord. J'ai l'intention, donc peut-être, j'ai l'intention d'appliquer mes connaissances, de tout ce que tu as appris là, tu as l'intention de les appliquer, de travailler avec. Oui. D'accord. D'accord. Là, je vais bénéficier de mes connaissances, c'est-à-dire tout ce que tu as appris là, tu vas bénéficier de ça, de tes connaissances, des gens qui t'entourent et tout. D'accord. Mmh. Avez-vous l'impression de pouvoir appliquer ce que vous avez appris à votre travail? Oui. Si vous avez des questions à demander, là je vais vous laisser le numéro de l'entreprise, comme ça vous allez nous contacter pour plus d'informations. Voilà. Je crois que c'est bon. Au revoir, bonne soirée et bonne chance, merci à toi.